là où la reprise du vent offshore ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous et bon samedi. Un samedi qui commence avec un temps qui est dégagé, frais. Il fait 13 degrés dans l'air. La température de l'eau a baissé. 21, petit 22. La marée est-elle en train de monter? Le plein haut est à 10h15 avec du petit coefficient de 46 sur cette montante. Le vent est offshore avec un secteur est-nord-est à nord-est. Il est modéré. Il y a deux beauforts établis, des rafales à 3. Le plan d'eau est ridé. Les phases de vagues sont lisses. La houle est encore multipique. Elle est longue, c'est la houle de l'ex-ouragan Earl qui est en reprise, c'est sa dernière poussée là. Une houle de 11 secondes de période orientée ouest croisée avec une houle moyenne de nord-ouest, c'est celle qu'on voit là. Il y a un déferlement régulier à la hauteur de 50-70 cm. Série qui rentre fréquemment sur la houle moyenne à 80 cm. Et de temps à autre sur la série de houle longue de Earl, mais qui met quoi 10 minutes à rentrer, il y a un petit mètre. Donc la plupart du temps, c'est des vagues en pic court sans peu d'épaule. Donc c'est pas fou, c'est offshore. Ça devrait se cligner dans la matinée. Il y a déjà des surfeurs qui checkent les conditions. Personne à l'eau. C'est quand même multi-pic sans épaule. L'évolution pour le reste de la journée, ben, la houle de Earl devrait pousser un peu plus à la hausse à la mi-journée, se maintenir ensuite. Le vent est prévu offshore toute la journée. Indice de confiance faible pour le vent cet après-midi. La bouée du Cap Ferret est stationnaire à 1,20 m et 6 secondes. Les prévisions à 9h, c'est 80 cm à 1 m, houle ouest à nord-ouest, Earl, 11 secondes de période, bon est-nord-est de 3. À 13h, légère hausse à 1 m, houle ouest à nord-ouest, qui prend de la période, 12 secondes de période, Earl, vent est-nord-est de 3. Et à 17h, stationnaire à 1 m, houle ouest à nord-ouest, Earl, 12 secondes de période, vent de nord-est de 3, Beaufort. Avec le vent offshore déjà ce matin, ça devrait se cliner. Et il y a du surf et de l'action toute la journée. Meilleur créneau sur la première partie de journée. Attention à l'indice de confiance faible pour le vent cet après-midi. Peut-être qu'il va prendre une tendance un peu plus nord que prévu. Mais bon, mais c'est quand même pas foufou ce matin. C'est quand même multipique. Il y a des bouts, la barre est facile à franchir. C'est praticable pour tout le monde. À la fraîche, prochain point, 8h15.